Bonjour et bienvenue à Terre Blanche. Depuis sa création, notre resort a initié une politique environnementale visant à développer et à protéger la faune et la flore locale. Dans ce contexte, les parcours de golf représentent un enjeu économique et écologique vital. C'est cet engagement fort de Terre Blanche pour la biodiversité qui a été récompensé par le label international Géo et par le label Golf pour la biodiversité, décerné par la Fédération française de golf et le Muséum d'histoire naturelle. Nous sommes ici sur le trou numéro 10 du parcours du château et vous voyez fonctionner derrière moi une tondeuse hybride qui est le reflet de l'engagement de Terre Blanche pour le respect de l'environnement en matière de maintenance de parcours de golf. Cette tondeuse hybride permet de réduire de 30 à 40% la consommation de carburant, limite les fuites hydrauliques qui laissent des traces sur le parcours, réduise au maximum les nuisances sonores et permet d'assurer une qualité d'entretien maximale de nos parcours de golf. Voici l'exemple d'un espace que nous laissons à l'état naturel pour la protection de l'habitat, des insectes et des petits mammifères et pour le développement de certaines espèces indigènes comme le lièvre par exemple, qui a vu sa population multipliée par 3 en l'espace de 2 ans. C'est aussi un moyen pour nous de mettre en valeur le contraste que nous offre la nature et la beauté de nos parcours de golf. Voici un exemple très simple de nos actions en faveur de la biodiversité, de simples branches mortes coupées et laissées ici au pied des arbres et qui servent de maison à insectes. Tout au long de l'année, nous réalisons le tri sélectif à Terre Blanche. Les déchets bio-organiques sont récoltés, déshydratés, puis ensuite emmenés en ce lieu où ils sont mélangés à de la terre et du sable pour fabriquer du compost. Ce compost est ensuite utilisé pour créer des massifs et entretenir les bordures de chemin sur le resort. Dans le cadre de notre engagement pour la protection de la biodiversité à Terre Blanche, mais aussi en raison du réchauffement climatique dans notre région et de l'évolution de la législation de l'utilisation des produits phytosanitaires, nous avons décidé de procéder à la conversion de la flore de nos fairways départ et semi-ruff, soit une superficie d'une trentaine d'hectares. Cette conversion de flore consiste à remplacer le gazon existant par une nouvelle variété de chiens-dents parfaitement adaptée à la pratique du golf dans les pays chauds, le Bermuda Grass. Cette nouvelle graminée va nous permettre dès l'année prochaine de réduire notre consommation d'eau d'arrosage d'au moins 50% et l'utilisation des intrants de 80%. L'eau est une ressource rare que nous gérons au plus juste à Terre Blanche. Nous arrosons nos parcours avec l'eau brute du lac de Saint-Cassien situé à plusieurs kilomètres. Tout est piloté par un logiciel informatique relié à 3000 arroseurs, une station météo et de nombreux capteurs d'humidité dans le sol. Merci de votre attention et à bientôt à Terre Blanche.